Chapitre 7. Le temple. Où est-ce qu'il m'emmène? Je me souviens de rien. Oh mon Dieu, je perds beaucoup de sang. Je tiendrai pas longtemps. Je sens que mes forces s'épuisent. Oh attends, je reconnais cet endroit. Par contre, c'est pas le meilleur endroit où se réveiller, c'est. C'est dans un petit lac avec des cadavres de partout. Ma chambre. Bedroom. Qu'est-ce que je fais là? What am I doing here? J'avoue. The fuck? Voilà. Et dis donc, y a eu quelques changements chez toi. Aurais-tu fait des travaux, dis-moi? C'est fermé? Où sont les clés? Là, le problème, c'est que je passe pas là. Et les clés sont pas sur la table. À mon avis, je dois passer par ici. Les clés sont là. Et voilà, ok, nickel. Putain. Mais noir, il y a un cadavre dedans, quoi. À l'aide. C'est perché, putain, c'est incroyable. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je pense que tu as toujours les mêmes voisins? J'ai un doute. That voice, it's calling me. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Est-ce que je peux passer de l'autre côté? Je suis trop curieux. Oh merde. Oh God, what have I seen? I can't believe it. What was that thing? I'm badly hurt. It's a miracle I'm still alive. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as mal? Je peux pas continuer comme ça. Je dois trouver quelque chose pour arrêter le saignement ou je suis fini. Ah mais putain, mais regardez, y a quelqu'un là-bas, là près du feu, vous avez vu? Je suis le chemin d'abord. Je pense que j'ai pas 36 solutions. Hein. Bah, c'est de trouver une maison, il y aura peut-être, je sais pas, un kit. Un kit de premier secours, ça serait cool. Un petit kit de soins là, d'histoire de. Ça sera un petit bandage là, ou je sais pas. Ah, là-bas, il y a une maison, regardez. C'est quoi ça là-bas? Aïe, 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 aïe. Tiens le coup mon pote, tiens le coup, tiens le coup. C'est quoi cet objet étrange? Il faut que j'essaye d'abaisser ces barreaux. C'est fermé. Visiblement, il y a un passage ici, regardez. J'ai fait tout ça pour rien? Faut que j'aille de l'autre côté en fait, c'est ça? Enfin, il doit y avoir quelque chose ici, je pense. Ça m'étonnerait que le jeu me fasse venir ici pour rien. Ok, c'est étonnant. J'ai rien dit. C'est bon, j'ai trouvé. Il manque quelque chose. De chaque côté.
trouve que ça ressemble beaucoup à Skyrim. Graphiquement, je trouve que le jeu est vraiment beau en vrai, franchement. Cette structure est instable. Il suffirait que je pousse un des poteaux pour que tout s'effondre. Ouais, bon, on va pas le faire, hein. J'aimerais bien pouvoir back si possible. Ah, je suis en train de mourir. Allez, tiens le coup, mon pote. Tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. On peut aller là-bas, mais visiblement, il y a une maison aussi là. La porte elle est fermée là-bas, donc je pense que c'est là qu'on doit aller d'abord. Regardez, il y a quelqu'un à l'intérieur. Vous avez vu? Je suis en train de mourir, mais je suis en train de faire le tour de la maison avant, tu vois. Hein? N'est-ce pas? Ah oui, 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 on fait le tour de la maison avant. Sait-on jamais? Alors, on va essayer de trouver un truc pour soigner à l'intérieur. Nice. C'est bon, les bandages. Ça, c'est cool. Il s'était mis, tu sais, dans l'entrée. Très sympathique. J'ai arrêté le saignement. Mais je peux pas continuer comme ça. Je dois trouver de l'aide au plus vite. Justement, ça tombe bien, il y a quelqu'un dans la baraque, juste là. Il y a quelqu'un, il faut pas que je me fasse attraper. Ah ouais, t'es sérieux? Bah tu veux trouver de l'aide et finalement tu veux pas te faire attraper? Journal d'un membre de l'ordre. Maintenant que nous avons trouvé l'œil des dieux, nous n'avons plus qu'à franchir la dernière étape. Ça se passera ce soir. Les étoiles sont dans une position propice. Et nous sommes tous prêts pour la grande révélation. La vérité sur l'extérieur nous attend. Nous allons enfin nous unir avec le grand ancien. Pour ne devenir qu'un! Ça me rappelle Dead Space! Hein? Ne faisons plus qu'un. Disons qu'ils se sont vachement inspirés de Dead Space, hein? Non, je rigole, bien sûr. Là, c'est fermé. Ok, ça marche. C'est toujours fermé ici? Très bien. Il doit y avoir des choses à récupérer, à mon avis, je pense. Là, le levier. Nice. Ok, c'est cool. Le levier qui m'a ouvert la porte là-bas. La base de l'ordre. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? C'est un miracle que je sois en vie. Mon ventre est blessé. J'arrive pas à croire que j'ai survécu. Je me suis réveillé dans une fosse remplie de corps. Ces disciples fous ont dû croire que je suis mort. Quel est cet endroit? Je reconnais les montagnes au loin. Et cet endroit est encore plus loin en aval. L'appel est très puissant ici. Mon Dieu, il faut pas. Écrire ce journal devient impossible. Je n'arrive pas à résister. Le cube doit être très proche. Je le sens. Son appel. Je ne peux pas l'ignorer. Je dois le trouver. On a tous nos priorités, hein, comme on dit, hein. N'est-ce pas? Ok, je sais ce qu'on va en faire. On a récupéré la première sphère. On a vu donc les deux statues où il faut le poser. Et la deuxième sphère, en fait, elle est derrière les barreaux. J'ai poussé un petit peu trop tôt, hein? Oui, oui, oui. Attendez, on va attendre de voir la créature, on va pousser pour voir si... Pour voir si on peut la tuer. Cette sale bête qui nous martyrise depuis tout ce temps, hein? Viens ici, sale bête! Tu vas voir,
Je n'ai plus peur de toi à présent. Ah bah écoute... Ah bah t'as même pas besoin de toucher au truc, ça le fait automatiquement. Ok. Bon bah ça marche. Il manque quelque chose. Ouais ouais je sais, mais t'en fais pas. Voilà, c'est juste ici. Je pense que maintenant je peux ouvrir la porte, à mon avis. Ah, ça s'est ouvert, entre temps. Nice. Alors récupère la deuxième. Ça ouvrira la porte qui est derrière, c'est cool. Ou alors ça me donnera peut-être des super pouvoirs. Une prière. Ô grand ancien, la plus précieuse de tes créations, l'œil des dieux, nous est apparu. Grâce à son pouvoir, nous allons bientôt tous pouvoir se présenter à toi pour être jugés. Prends ce qui n'appartient, prends ce qui m'appartient en tant qu'offrande. Et fais de moi un de tes élus, les seuls à ne faire qu'un avec toi. Bougie ça, hein. Ouais. Extérieur. On raconte que les grands anciens règnent sur l'univers depuis l'extérieur. Il fut un temps où nous pouvions les rencontrer. Ce qui rendait ce possible a été perdu dans les temps anciens. Nos ancêtres parlent d'un endroit incompréhensible pour nos esprits faibles. Où se situe tout le savoir, le temps n'existe pas. Seuls quelques privilégiés peuvent comprendre les visions du passé et du futur qui se présentent conjointement devant leurs yeux. Et peuvent observer les grands anciens et leurs créatures majestueuses. Il y a un symbole à la base de ce brassero. Ce brassero. Attends, j'ai rien fait, il y a une porte qui s'est ouverte. Pas possible. Je vais me faire... Ok, tous les symboles sont différents. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ok. Ah, je pensais qu'il y aurait... En vrai, là, je pensais qu'il y aurait une énigme avec les quatre feux, là. Juste le symbole. Ouais. Ça roule. Si. Il va y avoir une énigme, Varg. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut récupérer par ici? Non. Alors, est-ce qu'il y a un ordre dans lequel il va falloir que je les allume? J'ai peut-être l'indice ici au niveau des... Au niveau des tableaux, regardez. Ouais, il y a le symbole à chaque fois. Effectivement. Et c'est... L'ordre, à mon avis, c'est ça, l'ordre, je pense, non? Ouais, d'abord le cube qui arrive donc du ciel. Il arrive ici, déposé. Voilà. Ok, ça marche. Ça roule.
Donc ça c'est l'ordre dans lequel on doit allumer ça à mon avis. Alors le logo il est où là? Le logo il est là, ça fait un espèce de G. C'est pas ça? C'est pas ça? Je crois que c'est ça. Ensuite, le deuxième. Putain, je vois rien sur ce tableau par contre là. Ah, c'est tout en bas peut-être, non? Ouais, c'est là. Ok, comme si c'était une signature. Ça marche ainsi inversé. C'est pas là. C'est ici. Ok. Ensuite, le troisième. Un A. Et pour terminer, bah, le dernier de toute façon. Alors, est-ce qu'on est bon? Ça se trouve, ce sera pas du tout ça. Hein. Ah, bah, okay. Vieux mausolée. Il y a des tombes, des cercueils partout. Qu'est-ce que j'ai activé là en baissant ça? J'ai pas fait une connerie au moins. Dis-moi pas que je fais une connerie. C'est verrouillé. J'ai l'impression qu'on sort de la... On est en train de sortir de la zone là. L'histoire de l'ordre. On raconte que dans les temples anciens, nos ancêtres ont réussi à étudier les secrets de l'univers grâce à des techniques perdues. C'est pendant cette période que les premières théories sur l'existence de l'extérieur sont nées. Ce savoir, inestimable, a été perdu dans les brumes du temps, au cours du millénaire, privant l'humanité de sa découverte la plus précieuse. Puis a eu lieu l'événement de l'œil des dieux, vous a été confié. On raconte que l'objet sacré a été envoyé par les grands anciens eux-mêmes pour permettre à leurs disciples de rejoindre leur demeure. Cet endroit, il existe vraiment? Et attends, mais ça, c'est pas l'endroit du début? C'est l'endroit du début? Trumpet? Tu te rappelles? On était là au début. Je crois, hein. Au tout début, on était ici. Ouais, le mécanisme avait été pété. Et j'étais sorti par ici. C'est ça, c'est l'endroit du début. Putain, c'était pas comme ça par contre quand tu sors. C'était pas comme ça quand on sortait. C'est Ralestis. Qui s'abonne à la chaîne avec le Prime. Merci beaucoup Sir Alestis, merci pour ton abonnement. Merci pour ton soutien mon poulet. J'espère que tu vas bien. Il y avait pas ça à la base, hein. Putain, tous ces crânes. Regardez, il y a du monde là.